Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai plus filmé, je suis super contente. Je suis super contente, ça fait depuis un an et demi que j'ai plus fait de vidéo. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend, je sais pas qu'est-ce que je vous prépare, mais je verrai bien. Je suis super contente d'être de nouveau sur YouTube, je sais, je répète, mais voilà. Il y a une personne surtout qui m'a encouragée, cette personne se reconnaîtra, donc vraiment merci à toi de m'avoir donné ce petit coup de pouce là pour que je refasse des vidéos, donc voilà, je vais à un événement ce soir, un vernissage, donc je me suis dit pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai plus filmé, ben et puis zut quoi, on va faire une vidéo. Parce que sinon, comme en jamais, et à chaque fois on dit, allez, je m'y remets, et finalement, ce n'est pas le cas. Donc, je suis trop contente. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas traîner. J'ai pas beaucoup de temps. Bon, et quoi est-ce que je vais commencer? J'avais déjà mis ma crème, donc je vais commencer avec un primer. Donc, je vais utiliser aujourd'hui la gamme Revolution. Donc, je vais essayer le primer, celui-là. Attendez 2 secondes. Ce primer là, je sais pas si vous voyez, je suis désolée si vous voyez pas. Voilà, je vais faire vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'avais déjà fait mes jeux. Oh, je suis trop triste. L'été est fini. Demain c'est le 21. Ça veut pas dire parce que c'est le 21 que c'est bon, l'été s'arrête. Je suis trop triste. Je suis quand même contente d'un côté parce qu'en été, quand il fait trop chaud, tu sais pas quoi mettre. Donc je suis trop contente. Alors je vais mettre quel fond de teint? Par contre je vais mettre le fond de teint Bobbi Brown. Donc celui-là, c'est genre une baby crème. J'ai pas spécialement envie de mettre un fond de teint aujourd'hui. Donc je vais mettre ça. Je l'aime beaucoup et je pense que je vais mettre ça aujourd'hui. Je vais pas me casser la tête. Franchement, je vais pas me casser la tête. Et la teinte que j'utilise pour Bobbi Brown, c'est le Baby Cream SPF 35 Crème Bébé Dark. Voilà. Je vais étaler tout ça là, je vais prendre un. J'ai vu qu'il y avait un Elegant qui traînait là, donc je me suis dit je vais le prendre juste pour faire le contour de ma bouche. Parce que j'ai toujours l'impression que c'est un contour qui est un peu plus foncé. Donc juste un peu, pas beaucoup. Je vais venir l'étaler. Ça, juste quand j'aurai la bouche. Voilà. Perfect. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre comme concealer aujourd'hui? Le concealer qu'on va utiliser aujourd'hui, ça sera le NARS. Alors, la couleur que moi j'utilise pour NARS, c'est le... C'est mon rouge. Le Mid Dark, donc caramel. Celui-là. En fait, tout le monde les connaît. Hein. Franchement, NARS, je kiffe. J'aime trop. J'aime trop NARS.
que je vais faire? Ah oui. Oh là là, je sais même pas où il se trouve. Je sais même pas où il se trouve. Ah, il est là. Oh, je sais que j'avais perdu. Donc, je vous ai dit aujourd'hui, c'est la gamme Revolution. Donc, j'ai le F17. Donc, pour le concealer. Donc, je l'aime trop, franchement. Je sais pas si vous voyez. Je ferai mon sourire. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Si, c'est bon. Donc, voilà. Donc, je vais tester celui-là. J'en avais un autre. Mais là, je me suis dit, je vais tester celui-là. Donc, je vais voir que ça va donner. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je vais faire mes sourcils, je vais les faire, je reviens, j'arrive. À tantôt. Voilà, j'ai dessiné mes sourcils, je suis de retour. Je les ai fait hors caméra parce que je suis parfaite à dessiner mes sourcils en caméra, ça me... Voilà quoi, vous avez compris, ça demande une concentration. Et puis surtout, j'ai pas fait mes sourcils, je suis pas partie les épiler. Donc c'était encore plus dur, ça me demandait une concentration de dingue. Ou même comme c'est la concentration, hein, quand vous décidez là vos sourcils, là, vous savez bien qu'est-ce que ça va donner. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais utiliser la palette Revolution, donc je vais utiliser cette palette là, celle-ci. Je vais voir, les couleurs m'ont l'air intéressantes. Je vais voir qu'est-ce que je vais essayer. On va voir ce que ça va donner. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Tout aussi comme... vous pouvez l'utiliser en fait comme... comme une banane à poudre. Si vous voulez pas qu'il y en ait de trop, et moi personnellement, j'aime pas cet effet quand il y en a de trop. Je ne supporte pas. Donc j'utilise ça. Et franchement, elle est bien. J'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle donne un bon rendu. Donc j'utilise plus les bananes à poudre, j'utilise ça. Ça fait un peu les deux, c'est ce qu'on m'avait dit. Je l'avais acheté quand j'étais partie à Londres. Pour vous dire, hein, je l'ai acheté en novembre et elle est encore toute nouvelle. En fait, je ne me maquille pas beaucoup. Voilà. On en était où? À la couleur des yeux. Exact. Alors, je vais d'abord prendre un brun. Un brun simple que je vais mélanger avec, je vais prendre un brun simple que je vais mélanger avec, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, vous n'avez pas une idée, bon je sais que c'est un peu dur, mais I don't know. Compliqué parce que voilà, ça c'est ma caméra que vous voyez malheureusement, je suis désolée. Mais, les couleurs sont là, celle-là je l'utilise un peu plus souvent, mais je pense que je mélange, donc je vais mélanger un peu de ça avec ça. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Bon, on va voir, et puis si c'est moche tant pis, si c'est moche tant pis. Mmh.
Elle a une belle couleur par contre. Alors, je vais passer avec un qui est un peu plus foncé de l'autre palette. Je vais prendre celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien celui-là. Et voir qu'est-ce que ça va donner. Ouf, j'ai une gueule, imaginez-vous, c'est moche. Je suis vraiment en train d'inventer les couleurs. Je suis vraiment en train d'inventer. Ça fasse un effet un peu plus foncé. En fait, non, c'est beau. J'ai menti. C'est joli. Ah oui, par contre, la dernière fois, je suis partie. En fait, je me promenais. Et je me suis dit, je vais rentrer un peu au Kiko. Franchement, c'est pas un magasin où je rentre ici souvent. Chez nous, en Belgique, il faut savoir une chose, qu'on n'a pas beaucoup de magasins. Donc, si vous n'allez pas en dehors de la Belgique, à part commander, on n'a pas beaucoup de magasins. Pour tout ce qui est le make-up, c'est pour ça qu'on... Voilà. Mais je me suis dit, je vais passer au Kiko, je vais voir, vous savez bien, des fois il y a toujours un peu des trucs intéressants. Donc je me suis dit, je vais passer pour aller un peu voir. Et donc, ils étaient occupés avec les nouvelles couleurs pour l'automne. Et je me suis dit, écoutez, je vais vlogger sur ça. Je vais faire un... Donc je me suis dit, je vais faire... une petite vidéo sur ça. Alors, je vous ai pas montré la couleur que j'allais utiliser aujourd'hui. Donc je vais mettre ça comme couleur, celle-ci. Celle-là. Je vais mettre ça. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait mes ongles. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas des faux ongles, hein, s'il vous plaît. Hein. C'est pas des faux ongles, ce sont mes ongles. Donc ça s'appelle du gainage. Ce n'est pas n'importe quoi. Gainage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi je mets plus de faux ongles. Je n'en mets plus. Je vais mettre ça. Et voir qu'est-ce que ça va donner. Thank you.
Je vais juste rajouter en bas le mauve que j'ai utilisé là tantôt avec un peu de brun. Ça, je vais rajouter. Je vais mettre mes cils. Sinon, je vais les oublier. Je me connais, je vais les oublier. Là, j'ai mis mes cils. Alors, je vais passer avec. Oh, je l'ai pas montré, je suis passée juste avec j'aime bien passer un peu avec du brun mais en poudre. C'est un de chez MAC, c'est un ancien que j'utilise. Je me dis autant le terminer. Et puis après, j'en acheterai un autre. Autant le terminer, je vais vite mettre du blush. Vu que j'ai plus vraiment de blush, le mien s'est cassé. J'en mettrai un peu, pas beaucoup. Alors, je vais passer au highlight. Le highlight que je vais utiliser, c'est entré chez Revolution. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était Revolution. Je pense que je vais mettre celui-là ou celui-ci, je vais voir. Mais tout d'abord, je vais d'abord mettre mon fixateur. J'utilise toujours celui-là de Lise. Je l'avais acheté au Canada. Franchement, j'aime toujours. Il est top. Donc, je vais un peu en mettre. Faut bien laisser sécher. J'ai pas pris mon avantage. Mais... je ne sais pas où il est. Je pense qu'il est dans mon sac. A few moments later. Comme je vous ai dit, quand je ne veux pas mettre beaucoup de highlight, j'en prends un tout petit. Regardez. Oh, il est trop beau. Vous voyez là? Il est trop beau. Non mais. Waouh. J'aime trop. Vous voyez comment il est bien pigmenté. Waouh. I love it. Il est amazing. Il est trop beau. Oh là là, il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Je l'aime trop. Oh là là, je vais faire un peu de l'autre côté. Regardez quoi. Regardez. Regardez, regardez ça. Waouh, regardez. J'ai fini. Ah non, mes lèvres. Voilà, vous voyez, on est tellement pressé. J'allais même partir comme ça. Quel rêve. Ouh, ça va pas très bien. J'ai eu beaucoup de temps. Qu'est-ce que je dois faire? Mes lèvres, c'est ça. J'allais oublier. Je vais mettre juste du brun. Je vais pas me casser la tête. Je vais mettre du brun avec un gloss. En fait, je m'en fous. Je vais faire ça. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vais aller me préparer parce que sinon je vais être en retard. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications quand je publie des nouvelles vidéos. J'espère faire encore plein d'autres vidéos, être vraiment active. Et j'espère vous préparer de belles choses. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Parce que sinon je vais être en retard, donc je vais y aller. N'oubliez pas, regardez le highlight. Regardez. Allez, j'y vais. Bisous.